Je m'appelle Valentina, j'ai 18 ans et je suis née par GPA. Donc j'écris un livre témoignage. On n'est pas reconnu et surtout on n'est pas reconnu comme les enfants de nos parents. Même le papa. Oui, parce que mon père veut pas être reconnu tant que ma mère n'est pas reconnue. Je dirais pas que j'en ai souffert, c'est pas de la souffrance, c'est plus de l'incompréhension. Et c'est pas très confortable comme situation. J'ai voulu témoigner pour rétablir la vérité parce que depuis que je suis petite, dans le débat en cours, ce sont toujours des personnes qui ne sont pas concernées directement par la GPA ou alors qui ont des fausses croyances sur la GPA qui témoignent. Par exemple, il y a un truc que vous avez tout entendu. Que les gestatrices vendent leur corps, que les enfants qui sont nés par GPA sont malheureux, qui sont fous. Qu'est-ce que vous espérez par rapport à l'État français, par rapport à la société française? Là, j'aimerais vraiment que les enfants nés par GPA soient reconnus. Et après, dans l'idéal, j'aimerais bien qu'un jour la GPA soit légalisée en France.